était si charmant, ces maudits tant de fois. Mais comme il est changé, le logis d'autrefois, un grand feu pétillait, clair, dans les cheminées. Toute la vieille chambre était illuminée. Et les reflets vermeils, sortis du grand foyer, sur les meubles vernis aimaient à tournoyer. L'armoire était sans clé, la grande armoire. On regardait souvent sa porte brune et noire. Sans clé, c'était étrange. On rêvait bien des fois, au mystère dormant entre ses flancs de bois. Et l'on croyait ouïr, au fond de la serrure, béante, un bruit lointain, vague et joyeux murmure. La chambre des parents est bien vide, aujourd'hui. Aucun reflet vermeil sous la porte n'a lui. Il n'est point de parents, de foyer, de clé prise. Partant, point de baiser, point de douce surprise. Ah, que le jour de l'an sera triste pour eux. Et, tout pensif, tandis que de leurs grands yeux bleus, silencieusement tombe une larme amère, ils murmurent : quand donc reviendra notre mère ?